Ok, je suis à mon rendez-vous étrange de 19h, mais le problème c'est que je sais toujours pas avec qui c'est quoi. Attends, c'est quoi ça? 19h, café des cascades. Le problème c'est que j'ai pas noté pourquoi ni avec qui en fait. Alors je rentre et je commence à regarder les gens, voir si je reconnais quelqu'un. Elle, je la connais pas, lui, je le connais pas. Ça, c'est une plante verte, et lui, c'est le serveur. Bon bah, je connais personne, hein. Je regarde mon tel, il est 19h04, je sais pas avec qui j'ai rendez-vous, mais il est en retard. Pas ouf. Alors je me pose à la table, je me dis quelqu'un va me reconnaître et va sûrement venir me voir, quoi. Mais je me dis surtout que ce bar a besoin d'un petit coup de ménage. Alors du coup, j'ai un peu balayé la pièce du regard. Mais là, je vois cette table qui a même pas encore été débarrassée. Il y a vraiment du laisser-aller dans ce bar, hein. À moins que ce soit juste des fantômes qui boivent un coup. Non mais la meuf, je l'invite au resto, je l'invite à l'hôtel, on passe la nuit ensemble, et 3 jours après je l'appelle, elle me ghoste. Mais non, si, je te jure, le mauvais esprit quoi. Et là, il y a un gars qui vient me parler. Qu'est-ce que je vous sers? Mais c'était le serveur. Qu'est-ce que je vous sers? Je sais pas, Ok, vous savez quoi? Surprenez-moi. Ouais, j'aime bien faire ça. Ok, ça marche. Pour moi, c'est la surprise et lui, il s'amuse. Tout le monde est content, quoi. Sérieux, il peut pas prendre une pintasse comme tout le monde, là? Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre, hein. Alors pendant quelques secondes, je me suis imaginé qui pouvait débarquer en face de moi. Est-ce que c'est cette petite fille qui viendrait m'annoncer qu'elle est mon enfant caché? Bonjour papa, ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Waouh, attends, c'est qui ta mère? Céline, vas-y, t'as pas 100 balles là, je me suis mise dans la merde. Attends, j'ai Ken une Céline? Ou ce démarcheur téléphonique que j'essaie de recaler depuis 3 mois? Compte professionnel de formation, alors, si je votre dossier, alors, c'est quoi votre RIB? Oui, alors là en fait, là, j'ai pas du tout le temps. Alors votre RIB, c'est quoi? Mec, t'es relou en fait. Oui, votre RIB. Eh ben, regardez-moi ça. Ou alors madame Bouskila, ma prof de maths du lycée qui vient voir si j'avais bien raté ma vie comme elle l'avait prédit. J'en étais sûre. Bah quoi? Je vois qu'il n'y a pas que les fonctions qui ont dérivé. Ah, l'enfer. Tony. Mon moi du futur qui vient me prévenir d'un truc hyper important. Dans 6 ans, 4 mois, 8 jours, tu vas commander une choucroute 3 poissons. Ouais. Ne mange pas les moules, campé. Okay. Ou un mec du FBI. On vous veut dans la team. Vous êtes chaud? Ah ouais, carrément, ouais. Ok, super. C'est quoi votre team? Attendez, vous êtes pas le mec des points formation, vous? Tu vas me filer ce putain de RIB? Je veux ce RIB! Ou alors carrément, c'est Mister V qui vient me demander si je valide son dernier son. Je suis en terrain conquis sur le côté, j'encaisse, il est temps que l'on se tire, le climat me consterne, l'oreille des nos conquis. Ok, stop, arrête. C'est de la merde. Ah bon? Ouais, ça marchera jamais. Ah, peut-être parce que je te l'ai fait en français, mais j'ai une version anglaise qui est pas mal. Bon, vas-y, enchaîne. You can fuck with me because I'm the king of the situation. Ok, attends, deux secondes. Ok, vas-y. Et puis là, à côté de moi, je sais pas, mais il y a un truc qui se passe. Je vois la serveuse en galère qui cherche de quoi écrire sur son tableau. Putain, mais quelle journée de merde. Et là, flashback. J'ai récré, en fait. Alors je me lève, je vais la voir. Excusez-moi. Et là, coup de foudre. Le monde s'arrête. Voilà, une bonne grosse pinte de champagne. C'est ta carte bleue qui va être surprise, là. 50 ans qu'ils me font le même effet quand il y a des coups de foudre. Ringard. Putain, les mecs ont vraiment choisi le meilleur moment pour figer le temps, quoi. Wow, j'avais jamais ressenti ça. Tiens, j'ai des craies, si tu veux. Mon cœur m'envoie des milliers de questions, mais mon cerveau fournit zéro réponse. Mais parmi toutes ces questions, heureusement, il y en a une qui est sortie toute seule de ma bouche. Ça te dirait d'aller boire un verre? Non, c'est de la merde. Allez, sois spontané. Grave, on pourrait s'installer là, mais il y a des fantômes qui squattent. Wow! Oh. Bon, allez, tu sais quoi? Je suis dans un bon mood. Je réponds. Allô? Ah bah enfin, tu décroches! Ouais, désolé, journée difficile. Non mais c'est insupportable. Bon, bah je voulais juste te prévenir que je pouvais pas venir à notre dîner ce soir, j'ai une galère au travail là. J'espère que tu t'es pas déplacé pour rien du coup. Non, t'inquiète. Belle bagnole?